Il n'a que 13 ans. Mais Swan Sean de Fontaine est déjà considéré comme un héros. Ça s'est passé juste là, en fait, là où on marche. Et en fait, il y a un bruit qui a éclaté ici. Et en fait, eux, ils voulaient se bagarrer dans cette ruelle-là. C'était il y a quelques semaines. Son ami Lucas est agressé en pleine rue à coups de couteau. Swan Sean intervient, lui prodigue les premiers secours et lui sauve la vie. J'avais pas le temps de paniquer. J'ai juste vu mon ami par terre, j'ai pensé juste à sa vie. Même le sang, je m'en foutais en fait. En fait, le sang, pour moi, c'était rien du tout. Comparé à la vie de mon ami. Genre, si je faisais pas ça, mon ami mourrait. Une attitude héroïque, félicitée par le maire de Dunkerque en personne. Swan Sean avec monsieur le maire au moment de la cérémonie. L'adolescent a reçu la médaille de la ville, gravée à son nom, et devient le premier mineur à être décoré à Dunkerque. Je veux pas me vanter, non. J'aime pas me vanter. Parce que si je me vante, après ça va faire ouais, je suis au-dessus des autres, alors que non, pas du tout. On est tout le temps, tous égaux en fait. Et du coup, tu vas la garder celle-là? Ouais, c'est sûr. C'est sûr et certain que je la garde. Swan Sean est un adolescent passionné de sport, déjà champion de boxe. Sa mère n'en revient toujours pas du courage de son fils. Il aurait pu avoir peur, partir, courir. Non, il est resté et il a fait ce qui lui semblait juste et ben, je suis fier de lui. Impressionné par le sang-froid de l'adolescent, la Croix-Rouge lui offre une formation de secourisme. Il la suivra lors des prochaines vacances scolaires pour continuer à sauver ceux qui en ont besoin.